Alors, je vous fais goûter là notre Ladoix Vieille Vigne 2009. Donc, une cuvée sur la base de vieilles vignes qui sont plantées sur la partie nord de Ladoix, le petit coteau qui s'appelle le Bois de Mont, qui est géologiquement le premier coteau de la Côte de Nuit, qui donne des vins assez complexes, plutôt sur le fruit noir, avec une certaine concentration en plein bouche et des fins de bouche soyeuses. C'est des vins qu'on prend bien plaisir avec, qu'on peut mettre avec du gibier ou des viandes en sauce facilement. Moi, je retrouve plus le côté, enfin souvent le côté fruit noir, la grosse cerise noire qu'on croque dedans. C'est doux en même temps, il n'y a pas de tanin dur. Côté doux, tendre, mais Velouté, ouais. avec de la force et du caractère. Alors, c'est des vins qui sont élevés 18 mois en fût, avec 10% de fût neuf, parce qu'il ne faut pas marquer les vins par le bois, il faut respecter l'identité, le caractère du vin. Je dis tout le temps, le fût neuf, c'est comme le maquillage pour une belle fille. Si elle est belle, elle n'a pas besoin de maquillage pour être belle. Et ben, un vin, c'est pareil. Il n'a pas besoin de boiser pour être bien. Il doit être bien tout seul. En bouche, c'est ample, hein, c'est assez riche. On a une belle concentration côté fruits noirs, hein, toujours, je trouve. Et une fin de bouche soyeuse, tendre, sans être molle. Elle est ferme et assez complexe. C'est bon. Bah merci alors pour cette dégustation et cette présentation. Je vous en prie. C'était avec plaisir. Super.